Cet homme est furieux contre les chanteurs de reggaeton et compte bien interdire leur musique à la radio et dans les écoles. Il s'appelle Tarek William Saab et il est procureur général du Venezuela. Depuis la rentrée, il a dans sa ligne de mire Bad Bunny, Karol G ou autre J Balvin. Tarek William Saab leur reproche de véhiculer des messages misogynes et dénigrants vis-à-vis des femmes et de populariser des mouvements de danse inappropriés auprès des enfants. J'ai vu des enfants de 2 et 3 ans danser en mimant une relation sexuelle. Pour mener à bien sa croisade, M. Saab s'est entouré de personnalités locales, parmi lesquelles beaucoup d'artistes vénézuéliens de l'ancienne génération. L'objectif est simple, éradiquer le reggaeton des écoles et poursuivre chaque établissement et chaque enseignant qui oserait diffuser cette musique en présence d'élèves mineurs. Une pétition a même été lancée et le procureur général ne compte pas s'arrêter là. À terme, Tarek William Saab souhaite réduire drastiquement la diffusion du reggaeton à la radio, à la télévision et dans les médias en ligne et les limiter à une tranche horaire définie.